Salut les gens! Bon, on va continuer notre aventure sur Def Jam et ça va être la dernière vidéo là-dessus. Alors par contre, j'ai dû recommencer tout le jeu parce qu'à la base, j'avais enregistré mon gameplay, donc la fin du jeu. Sauf que OBS n'a pas fonctionné du tout, j'avais le son mais pas l'image. Et vu qu'il y a la sauvegarde automatique, j'ai dû créer un nouveau personnage et donc refaire une histoire. En gros, je suis dégoûté. Mais bien sûr, on reprendra pile là où on s'était arrêté. N'hésitez pas à vous abonner, faut surtout pas hésiter. Surtout pas. Allez, c'est parti! J'étais dégoûté de tout recommencer, du coup j'ai appelé mon personnage fuck. Ok, du coup on s'était arrêté au moment où Lil' Kim, donc notre meuf, s'était fait kidnapper par Snoop Dogg. Et du coup Snoop Dogg nous a demandé de combattre pour lui. Donc là on va défoncer nos potes en gros. Ok, vas-y, premier combat. Et vous voyez qu'on a basculé du coup dans le côté obscur. Non, du côté droit. Mon pote, il est... Mon personnage, il provoque plus. Genre, il parle plus, il est trop dégoûté. Alors, par contre, lui, il va pas me faire chier longtemps. Il m'a pris direct. Ok. Voilà. Sinon... Merde. J'ai pris kickboxing, catch et soumission. J'avais jamais fait ça, je crois. Oh, d'accord. Regardez, catch. Bah. Et soumission. Regardez. On va essayer de l'avoir comme ça, tiens. En lui mettant... en lui craquant sa gueule. Ok. Je suis à... un peu plus de la moitié. Oh. Ah oui, c'est vrai qu'il est à droite, à gauche maintenant. Oh bah vas-y, non, on va pas l'avoir comme ça. C'est bon. KO. Vous allez voir, à un moment, je vais mettre KO un mec... en lui craquant la nuit, quoi, un truc comme ça. Je vais vous couper plusieurs combats. Là, je vous ai juste laissé le premier, histoire d'eux. Mais sinon, je vais vous garder les combats les plus importants. Vous allez voir, la fin du jeu, elle est énorme. En vrai, je la kiffe de ouf. Et dans la description, je vous mettrai des liens, des sons qu'il y a dans le jeu. Franchement, il y a des bons sons dans ce jeu-là. Des putains de rappeurs. Donc, je vous mettrai les liens en description si vous voulez. Comme ça, vous aurez le petit clip et tout qui va avec. Ok, vas-y, lui, on va essayer... Merde. Ok, lui, on va essayer de lui craquer la nuque, là. Enfin, la tête ou... Oh, attends. C'est là, ok. Regardez ça. Ah! Ah! Oh le chien. Putain! Mais oui, bah vas-y! Vas-y, on lui craque sa gueule là, sa nuque, ou sa tête, je sais pas trop en fait. Ah, lui aussi il fait soumission. Appuie vite sur une touche, ouais, vas-y. Ok, vas-y, on peut l'avoir sa tête là. Imaginez ça, le truc il fait trop mal. T'sais. Enfin, je pense, hein, je sais pas, on me l'a jamais fait. Donc... Ah, mais attends, mais si toi tu me fais ça à chaque fois, ça va pas le faire en fait. Mais non! Putain, lui il va me faire chier lui. Et il contre tout! Mais t'es sérieux toi? Ah, là tu l'as pas contré là. Ah putain, vas-y. Oh. Vas-y, là, c'est bientôt, là. Ça me fait rire, je sais pas pourquoi.
Vas-y, là, c'est la bonne ou pas? Oui, c'est la bonne. Ça déchire. Et restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir, ça va être un truc de ouf. Je dis pas ça juste pour le watch time, hein. Un petit peu quand même, mais c'est aussi pour pas que vous passiez à côté de la fin, parce qu'elle est vraiment top. Combat contre Ludacris, un putain de rappeur, pareil, hein. Il a joué dans Fast and Furious, et il a fait surtout des putains de sons aussi. Ok, c'est parti. Alors dans le jeu, je crois qu'il est pas hyper bon non plus, quoi. Ouais, tu vois, il est pas super chaud, hein. Facile. En fait, il se protège limite jamais, tu sais, le mec. Bah ouais, vas-y, t'es mort, mec. Voilà, j'utilise même pas mon attaque spéciale. Allez, ciao. On en parle plus. Club 357, ça va être le dernier combat. Et après, ça part en couille de ouf. Ça va être la dernière ligne droite, en gros. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer mon perso à fond. Toutes ses capacités, je vais les améliorer à fond. Ok. Je vais faire ça comme ça. J'ai pas le choix. Bon, ça, il est déjà pas mal, quand même. Bon, dernier combat, et c'est contre Redman. We're gonna finish this shit tonight, little bitch. I'm gonna cut your eyes out and put them on my knees and call you Niecy. What are you doing, man? You do this, Crow takes everything. Hey, what's wrong with you? I guess all that talk about loyalty and family, that was all bullshit, huh? I should have taken this a long time ago. Allez, c'est parti! Aïe! Il commence, il est trop chaud, le gars, tu sais. Attends, je me gratte vite fait, hop. Putain, ah ouais, c'est vrai, mais lui c'est pareil, ils font que de contrer les mecs en fait. Aïe. Ah ouais. Putain, qu'est-ce qu'il va faire? Ah bien, il a perdu son truc. Ah mais il va en avoir un autre. Putain, le... c'est un bâtard, il fait chier. Oh. Allez, bouffe ta tête. Oh. Je suis chaud. Non mais il est sérieux. C'est le troisième kilo. Oh putain, viens. Ok. Là c'est bon là. Ah non putain. Putain c'est bon. Vas-y, la prochaine fois, je pense que ce sera la bonne. Putain! Attends. Oh! Oh putain, je suis con, j'aurais dû utiliser mon truc, je pense. Ah non, c'est bon, je l'ai. Oui? Oui. Well, well, well. Where is she, man? Where is she? Easy. You'll get your girl. First, I've got one last job for you. Forget it, Crow. A deal's a deal now. Give me my girl. Whoa. You better check yourself right there, bitch. You in no position to be making demands. You wanna walk? That's fine. But you ever wanna see your girl again? You gonna do what I say. You got it? One more thing you gotta do.
is it, huh? Hold on to this. Finish him. Perfect. Stupid move. Stupid move. Yeah, he never was that bright. Wanna jump off? Let's go. Ok. Donc là, on se tape contre Busta Rhymes et Fat Joe. Ok. Et vous pouvez voir aussi que d'ailleurs Method Man, vu qu'il s'est fait défoncer, sa vie en fait, elle est déjà pétée quoi. Oh putain, il prend cher par contre. Attends. Ah non. Voilà. Vas-y, toi. Vas-y, me fais chier, Fat Joe, casse-toi, toi. T'es où? Ah, voilà. C'est quand même la troisième fois que je me bats contre toi. Ok, vas-y, toi, je vais te péter le bras. Mais... Ah non, la tête. Je te craque la tête. Attends. Oh, putain, je suis con. Je me suis foiré. Ok, vas-y. Oh. Allez, voilà. Putain, l'autre il est en train de péter le son bras là-bas. Et moi je suis en train de péter le sien à l'autre. Ok, crack. Il est pas bien là. Il est dans le mal de ouf. Vas-y, je peux l'avoir là. Vas-y, ouais, hop. Tu vas là et tu crèves. Oh, putain, lui il l'a aussi. De toute façon, on va l'avoir. Parce que là, on est à 2 contre 1. Il va se faire éclater, le gars. Allez, vas-y, finis-le, là. On n'a pas le temps, là. Voilà. Putain, regarde, 2, là. Ah, vache. Ça doit piquer, ça. Tiens. Tu vas pas t'en remettre, mon gars. Il a le temps de rien faire, le pauvre. Ah merde, j'aurais pas dû faire ça. L'autre, il a même pas le temps de le choper, tu sais. Vas-y, je vais pas prendre mon truc, là. Je vais pas que ça à faire. Là. Tiens, regarde. Voilà, là, t'es mort. Ah non. Ah, là, t'es mort. Tiens. Where's my girl at? Where is she? Won't do you any good anyway, man. Where is she? Come on! We ain't never gonna let her live anyway, man. Where is she, man? Tell me! She's being held in the old tire factory in Brooklyn. Wait here. Anyone shows up, you hit that horn. I'll be back. Well, if it ain't the great fugitive fighter. Sup, champ? See, you lost your escorts. I'm just here for the girl, Sticky. And I'm here for you. See, Crow figured this place gonna accidentally burn down tonight. And you two won't make it out of here. So I'm making sure that I get the chance to finally beat your ass once and for all. In the ring. Now it's just you and me! Ok, 1v1 contre Sticky Fingers. Ah! Et non, non, non! Oula! Allez, vas-y. Et c'est pris une vieille pierre. Oh! Putain, tu vas te calmer, toi! Vache, il est en train de me mettre cher là. Vas-y, va là-bas. Vas-y, je te mets contre la poutre. Ah putain, non, j'ai pas réussi. Putain.
Il me fait chier, hein. Va là-bas. Attends, ça c'est quoi ça? Oh! Attends, là il y a un débris là. Tiens. Voilà. Ok. Oh putain, il me fait chier. Mais non! Regardez ça. You didn't actually think I'd let you go one-on-one with me, did you? No. Actually, I didn't. That's it? You gonna take on my crew with this busted up fool? What you bitches waiting for? Get this trash up off my lawn. Move! I'm out, man. He's your problem. Me too. I had enough of this. Fine. You die too, motherfucker. Come on, take all these bitches out! We got this one. We end this now, Crow. Hey man, what you waiting on? Shoot this fool! Now! Hey yo, you know what? Fuck this shit. It's all yours. Looks like you got a morale issue there, brother. Come on, man. Ain't no need for this. Just join with me. I earned the city fair and square. You broke the code. Fuck the code. D-Mob was always talking that old school loyalty bullshit. You from the streets. You know there's only one code out here that matters. Ride or get rolled on. Hey, hold up, hold up, hold up, hold up, hold up. You ain't even worth it. Dernier combat du jeu, et le plus important. J'ai des frissons de ouf. En vrai, ce jeu me fait un truc de fou à chaque fois que j'y joue. No escape there. Thanks for backing me up, man. Man, that's what it's all about. Hey, I think you dropped something. Come on, man. Let's go. Yeah. You go ahead.
I'll just be a minute. Je kiffe ce jeu, c'est un truc de ouf. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, voilà, la fin de Def Jam. En fait, j'aurais voulu que ce jeu ne finisse jamais, en fait. À chaque fois que je le termine, ça me fait un truc, je sais pas comment vous expliquer. Et j'aurais aimé voir la suite. Qu'est-ce qui se passe après? Malheureusement, on pourra pas le savoir. Apparemment, il y aurait un autre Def Jam en développement. Je sais pas si ça sera une suite ou un remake, mais sortez-le vite parce que j'en peux plus. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine, ciao!